Donc maintenant, on va essayer de jouer une autre équipe. En local. Non, pas en local. En. Ah, c'est un match amical. Alors, comment on fait pour jouer en ligne? Ça doit être ça, non? Est-ce qu'on teste? On va tester la noblesse impériale. Ma conf est censée être middle et je le fais tourner au max. Bah, tant mieux. Après, c'est la bêta, le mieux. Faut te méfier. Bon, moi, je dis ça, j'ai une. Ma carte graphique, c'est une 3070, donc je peux le faire tourner tout au max. Il y a juste une chose que je mets pas au maximum. Ce sont. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Ce sont les ombres. Ça bouffe beaucoup les ombres, donc c'est juste ça quoi. Alors, est-ce qu'on tente avec nos. Ah, est-ce qu'on tente la noblesse impériale ou les orques noirs? On va tenter la noblesse impériale, allez, on est fou. Mais quoi, c'est comme ça, je suis persuadé que c'est. Non, elle ne livre pas tout, le mec. Tu crois qu'ils vont tout nous régler sur un plateau? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Des nobles impériaux, peut-être? Donc bienvenue dans cette nouvelle partie hein, avec la noblesse impériale qu'on va tester. On va voir un peu ce qui nous attend. Ça c'est un match contre quelqu'un d'autre. Je sais pas si on peut échanger avec nos adversaires, non, on dirait pas. Hein. Je crois que je vais me faire dérouiller. Est-ce qu'il a un ogre en face? Non, il a pas d'ogre. Ou un match miroir, je vous avoue, je les aime pas trop. Alors, on a 5000. Moi, je suis prêt. J'ai rien à mettre. Je sens que je vais me faire pourrir avec les trucs. Donc, vous soyez pas étonnés si je switch entre souris et manette. Hein. Je sais pas si. Chaustrap pour cette mi-temps. Dès qu'un joueur est sur une case Chaustrap, je t'incite. Hein, oh, d'accord. Alors c'est nous qui défendons, c'est ça. Pourquoi il met. Alors c'est quoi ça? Je vais lui mettre bloc. Un bloc supplémentaire, ça peut être utile. Ah c'est Nia. Oh bah j'ai rien dit alors. On va essayer la noblesse impériale, j'irai. Alors noble blitzer, on va le mettre là. Ah non, attends, quoi? C'est moi ça? Ah non, c'est elle, c'est. On est d'accord que c'est Nia ça les gars, j'ai pas fait de conneries. D'accord, là c'est tous les bonus ou malus en fonction d'eux. Ouais, c'est là que le joueur il s'appelle Liam, j'y crois moyen. Bah, déjà, on va essayer de se rapprocher du truc. Ouais, bon, bah, il y a Artificial Intelligence. Ah lui il a 3 renonces, comment ça se fait? Salut Maverick, comment vas-tu? Ça, je vais bien, merci toi.
Donc, ok. Alors, ce que je vais tenter déjà, c'est de... Alors, j'ai un garde du corps ici. Ça, c'est quoi? C'est un domestique. Le lanceur, je vais le mettre là. Je vais mettre mes deux lanceurs l'un à côté de l'autre, mais il faut que je les retrouve déjà. Alors, je suis mitigé. Tu penses que c'est un joueur, toi? Bon, on va voir, hein. Oh, il y a des choses trappes là. D'accord, faut que je fasse gaffe à ça, j'ai vu. Alors, noble blitzer domestique. En gros, c'est le genre d'équipe qui va être chiante à battre, si j'ai bien compris le truc. On va tenter comme ça. Mais il est où mon deuxième lanceur? Y'en a toi. C'est dommage qu'on peut pas échanger dans le chat, mais bon. On va voir, hein. Écoute, bah là je suis mitigé pour le moment. J'aime bien ce que je vois, mais il y a des choses. Bon, c'est une bêta, mais qui me pèse moyen, quoi. Je pense que je vais faire un petit document. Où est-ce qu'il va aller le ballon? Pour chaque manager. Bon, ok. Tour 1. Bon, déjà, première étape, sécurisation de la balle. Je t'ai pas dit de fou. Voilà. Non, mais pourquoi il a blitzé? J'ai pas cliqué. Oh, que ça va m'énerver. Est-ce qu'il va utiliser stabilité? Il va l'utiliser, je pense. Salut Caillou, bienvenue à toi au fait, je t'avais pas vu. Alors, est-ce qu'il va utiliser stabilité? Déjà? Ah oui, ça calme. Bon bah 2 SPP pour ce noble blitzer. Donc là j'aurai qu'un dé. Il va utiliser feinte ou pas? Il va pas l'utiliser, mais moi je vais rester sur place. Donc double 1, ça donne rien, bien sûr. Bon, ça va, les premiers jets, c'est correct. 4 et 4, 8, ça passe pas l'armure, je crois. C'est du 9+, lui, donc c'est une armure 8. Ça fait 3 ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Deux gardes du corps. Bon, on fait plutôt un premier bon tour. 5 et 2, 7 et 1, 8. Ok. En vrai, là, une petite agression des familles. Ça pourrait être bien, effectivement. J'ai quand même rajouté mon deuxième lanceur tout de suite ici. Donc là, on est contre quelqu'un. Et là, je vais tenter d'agresser ça. C'est quoi? C'est un garde du corps quand même, hein. Allez, on le tente. Il est sonné, il a rien. Il est sonné, c'est bien. Bon, par contre, on voit pas d'animation. Donc lui aussi joue avec deux lanceurs impériaux, d'accord. Il blitz un dé. Ah, il a 4 lances l'animal en face. Ah oui, bah il a dû avoir le bonus avec les trucs. Est-ce qu'il va relancer?
KO. Ouh. Je me demande s'il débute pas notre adversaire en face. Parce que là, on a nos deux blitzers impériaux. Ça, c'est quoi? C'est un domestique. Ça, c'est un domestique aussi. Alors, le garde du corps, je vais le mettre là, admettons. Domestique. On va occuper le terrain. On va tenter un petit blitz ici. Alors, les deux au sol, je prends. Voilà. Là, on va se mettre ici. On va essayer de passer par la gauche. Ah, ça, c'est un bug d'animation, je suppose. Voilà, c'est bon, c'est corrigé. Lui, son garde du corps, là, il est à terre. Bon, déjà, on va commencer par ramasser cette foutue balle. Attends, il a pas ramassage de balles. Bon, on va relancer. Ça passe, c'est bien. Voilà. Ça va trop vite là, c'est ça le problème. Hein. Là, je vais tenter une grosse agression. Voilà. C'est pas instinctif en fait, c'est ça que j'ai. Là, j'en profite qu'on est 12 pour essayer de l'agresser, de réduire son nombre en fait. Je pourrais l'agresser comme ça, tu crois? Je peux pas l'agresser. Agression. Attends. C'est quand même mal foutu leur truc, je veux pas être méchant, mais... Bon, allez, go. C'est le mien celui-là? Non. Elle est déjà consommée la gros. Ah merde, c'est ça. Ah, fait chier. Ah, j'ai dû faire un mauvais play, c'est ça? Bon, on va faire comme ça. Bon, il est déjà à moins 2, c'est pas mal. Il a deux gardes du corps en moins, ça fait qu'on a un petit peu de ce côté-là, un peu de temps. Alors lui, s'il bouge pas, je le fous dehors, hein, j'en ai rien à foutre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il tente un GFI, c'est ça? Donc là, il est à 9, moi je suis à 11 encore pour le moment. Il tente beaucoup de 1D là, hein, bon. Il a relancé, hein. Ouais, ça touche, quoi. Les deux relances, c'est bien. Ça va, notre ami a rien. Attention, là, ici, pourrait... S'il fait un double de au sol ou un crâne et deux au sol, je n'utiliserai pas. Bon, ça va, ça tient. Voilà, c'est good. Là, ça bloque bien ces deux joueurs à gauche. Faites très attention.
On va être vigi... Il faut que je sois vigilant là-dessus. Ça marche pour pas. Merci de l'info. Donc lui, il va se relever. Donc là, il a, je suis à 2 contre 1. D'accord. Alors. On va juste te relever, toi. Hop. Tu vas pas me faire d'esquive. Attends, j'ai un domestique là avec bloc, c'est ça? Ça touche. T 3 7 ça donne rien ici. J'ai blitzé avec. Non, là c'est abusé de jouer. Oh. On va rester là. Non, non, pas d'esquive débile, merci. Salut. Salut, c'est là, j'ai aucune idée. Je sais que Cyanide et Nakon envoyaient les clés au fur et à mesure par vague. Après, je suis incapable de te répondre s'il y avait une date ou pas. Ça va, ça touche. Ça donne rien. On va se mettre là avec lui, le lot lanceur impérial. Alors lui pourrait venir dans mon dos, c'est ça qui m'ennuie. Allez, on tente l'agression ici. Ça, c'est un bon chaos. Certains n'aiment pas l'agression, hein, mais bon, là, je pense que c'est pas mal. Sachant que j'ai du bon, donc je me le permets. Il y a encore combien de joueurs là? Il doit avoir encore 8 joueurs, un truc du genre. Sûr, il y a le con, l'équipe fou, l'autre fut le domestique. Là, ça peut être drôle, quoi. Là, ça touche. Ça va le maintenir au sol, là. Bon, pour le moment, ça va. Mes armures tiennent bien. J'ai pas trop à me plaindre. Il y a un domestique là qui est loin. Il va venir là, il va blitzer, je pense, ici. Il va faire tomber, tenter de le faire tomber là. Ça donne rien, il va retenter là, logiquement. En vraie stabilité. Voilà. Donc là, on lui a bloqué deux joueurs quand même. Hein. Blocage contre blocage, ça s'annule.
Il va renforcer ici, ok, d'accord, admettons. Déjà, pour commencer, on va faire ça. Attends. Je vais faire ça là. Lui, mon deuxième lanceur impérial. Alors, attends, avant de faire une connerie, j'ai peur de faire une connerie là en fait. Là, ce que je pourrais tenter. Là, c'est un blisseur, c'est ça l'ennui. C'est quoi ce truc là? Il y a un joueur ou pas là? C'est l'animation fantôme, ça on est d'accord? Ah, c'est une animation, d'accord, ok. Bon, je suis au tour 4, je suis un peu au chaud encore. Admettons, je viens là. Voilà. Là, c'est un domestique contre un domestique, ça passe. Là, c'est un lanceur. Là, c'est un autre lanceur. Mais je t'ai dit de blitz, c'est you. C'est bien, ça passe. Trois et trois font 6. Par contre, là, j'ai mal géré. Je crois que j'ai fait une connerie. Non, tu me fais rien. Si c'est 2-8, il est sonné, lui. Ça, c'est good. Ça, c'est un garde du corps contre un garde du corps. On va éviter. On va pas grider. Ah, il a fait un trou là. Ça, c'est. Il va prendre lutte, je pense. Voilà. Donc là, logiquement, il va pouvoir libérer un de ses joueurs. Voilà. Bon, là, c'est good. Il a encore cramé une relance. C'est bien. Alors, il va y aller à un dé. Blocage sur un non-bloqueur, donc il a les chances de faire tomber, évidemment. Un dépôt, ouais, bon, il fallait s'y attendre. Ok, bon. Fallait s'y attendre. Ce que je vais tenter, c'est de repousser lui, faire la transmission. Ok, il va mettre une autre zone de tacle.
C'est bien joué ça. Bon, il fait. Ça va, ça tient ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Il va tenter les GFI, d'accord. Je vois ce qu'il va faire. Ok, il met la pression, d'accord. Non, on va pas faire ça. Je vais essayer de faire du push-push comme ça. Ah oui, j'ai fait. Là, ça va pas. Ça me va à la limite, ça. On va rester sur place. Alors maintenant. Il y a une esquive ici à 4+. Là, ce que je vais faire, je vais tenter de relever lui. Voilà, tu te relèves juste, merci. Voilà. Et là, on va tenter la transmission à lui. Ouais, on est d'accord. Ah, il y a une esquive à 3+. Ok. Attends, quoi? On peut plus passer comme ça? Ah, merde. Non, ah, putain. Je crois que j'ai fait... Quoi qu'il est pas si menacé que ça, en vrai. J'ai peut-être juste refermé ici. Faut annoncer la passe maintenant. Ok, d'accord. Bon, je vais essayer de prendre le réflexe. C'est bon à savoir. Donc lui déjà, lui c'est pas un joueur, c'est une animation fantôme. Qu'on soit d'accord. Ah. Okay. Ok, d'accord, j'ai un cercle avec une anime fantôme. Bon, là, il est un peu dans notre pombre. On va se méfier quand même d'une action à 6-4-2. Mais je pense que notre adversaire va avoir un peu de mal. Ouais, il va tenter le grand tour. Lui, son blitzer, là, il faudrait essayer de le neutraliser. J'ai mis exprès un lutteur pour l'emmerder. Bon, là, ça touche. Bon, il est sonné, ça va. C'est le premier passage d'armure. Là... C'est où? On tente le 1D.
ça va, c'est une flèche. C'est quoi, c'est quoi qui m'a blitzé? C'est un blitzer, ça, hein? Oh, attends. Et il va pouvoir venir. Ok, d'accord. Ok, là il peut nous mettre dans la merde. Ok, j'ai compris. Et là, on est dans l'embarras. Alors, comment qu'on peut faire? Alors, déjà, toi, tu viens là. Mais non! J'ai pas dit. Ah putain de merde. Ah c'est, ça m'énerve, c'est pas fou, c'est mal foutu ce truc. Là ça reste. Toi, tu te relèves juste. Toi, tu viens ici. C'est quoi ça? Ok, c'est good. Merci le jeu. Bon là c'est mort. Alors, le seul truc qui pourrait m'aider c'est un crâne ou un autre chose. Ah, il va pas bouger là. Ça c'est good. Moi j'aime pas trop ce système avec le choix. Je trouve que c'est beaucoup trop compliqué. Bon voilà, il va toucher, voilà, il n'y a pas de relance. Bon bref. Voilà. Ah, il va aller chercher, lui, il va peut-être aller ramasser avec lui, je pense. Ah, ça me dégoûte, ça. C'est j'ai du mal à. Bon, après, je débute, mais bon. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, hein, il y a des prendre la balle. Donc là on va la relever. Je vais tenter un truc, mais bon. Là je suis un compte 2, ça serait trop chaud. Une esquive à 4+, on va éviter quand même. Ça passe.
Ça touche. Oh, on l'a tué. Premier mort sur Blood Bowl, allez. Donc là, on a déjà deux zones de tacle ici, c'est pas mal. Et lui, je vais tenter de le foutre dehors, allez. Ah, je me suis un peu emballé, mais bon, là, je pense que quoi qu'il arrive, bon, je peux plus marquer, mais lui non plus. Bon, on lui a sorti deux gars minimum, peut-être deux autres qui reviendront pas, donc on est plutôt en bonne position. Bah, il faut toujours un début à tout, le myope, hein. Voilà, il va taper, à mon avis, il va se venger, ce que je peux comprendre. On va essayer de cibler ces joueurs clés. Après, le myope, ça reste une bêta. On va se mettre d'accord là-dessus. Bon, j'ai réussi à me sortir d'une situation un peu chaude. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur? Monsieur? Oui! Bon. Pour le moment, on est sauvé. Alors. Là, on a quoi? On a un lanceur et on a un blitzer. Voilà. Après, avec mon domestique, là... Alors, attends. Est-ce que ça marche comme ça? Mais ils ont du boulot, hein. Quand tu veux, mon vieux. Donc là, ça donnera rien. Voilà. Et lui, est-ce qu'il peut encore aller marquer? Il y a 6, 1, 2, 3. Donc c'est la moitié de mouvement, logiquement. 3 et 2, 5, il peut plus aller marquer dans la logique. Ça, c'est quoi ça? C'est un lanceur. C'est quoi qui a atterri? C'est un autre domestique ici. Ça, c'est un autre domestique. Tu sais quoi, lui, j'ai une idée. Putain. Bon, j'ai fait le con, merde. C'était pas celui que je voulais agresser, bon tant pis. Voilà. Et bon, on a encore un peu de temps, on va se mettre là. Voilà. Comme ça, lui, il aura un SPP, il sera pas venu pour rien. Et on va reculer derrière, tant pis. Hein, Non. Viens là. Normalement, il n'y a plus personne qui peut venir te chercher. Je lui ai sorti quoi comme joueur? Je lui ai tué quoi? Alors, blessé un garde. Oh, je lui ai tué deux gardes du corps quand même, hein, ce qui est pas dégueulasse.
Les deux KO, c'est quoi? Des trois quarts, je pense. Non, un autre garde du corps. Non, tous ces gardes du corps, ils sont dehors. Oh putain. Bon, malheureusement, on n'a pas marqué. Bon. On a réussi quand même à sauver une situation chaude en fin de première mi-temps. Il y a un garde du corps qui est revenu, ok. Tu sais quoi? On va foutre tous les gardes, trois quarts du corps en première ligne. Non, attends. You, mon gars avec... Notre domestique est là, ok. On va reculer un peu ici. On va tenter un truc un peu spécial, mais pourquoi pas à la limite. Bon, on est à plus 3. On est à plus 3, ce qui est plutôt pas mal. Attends quoi? Oh, il a forfait. Oh merde. Triomphe modeste, hein, je pense, les gars. J'ai fait un peu de la merde. Bon, je connaissais pas le jeu, mais je m'en sors quand même. Mais je pense que ce qu'il a fait forfait, c'est déjà le mort et le blessé. Et aussi le chaos, l'un des chaos des gardes du corps qui parle. Parce qu'il se doutait qu'avec le truc, ça allait peut-être pas revenir. C'est ma théorie. Bon. Premier match en compétition, petite victoire. Alors, comment qu'on va faire? C'est dommage qu'il n'ait pas voulu aller jusqu'au bout. Bon, après, je comprends, hein, mais... Alors maintenant, on va essayer de voir comment ça fonctionne les passages de niveau pour comprendre un peu. Équipe. Alors, ce sont des points... Alors, points de joueurs... Point de valeur de joueur, PJV. Donc je vois que j'ai déjà un de mes lutteurs là qui a... Enfin, un de mes gardes du corps qui a pris un level. Alors sachant qu'il a stabilité déjà... J'ai tenté un jet de... Alors le jet de compétences aléatoire, on dépense 3 points. Donc ça veut dire qu'on aura, si je comprends bien, une compétence de parmi tout ça choisie. C'est bien ça, hein, c'est pas sur l'ensemble, on est d'accord. C'est que sur la caractéristique que je sélectionne. Donc, par exemple, si je fais ça sur général, j'aurai une compétence aléatoire pour 3 points dans les choix des compétences générales. Si je fais ça sur force, logiquement, ça doit être une compétence de force. Bon. Et on va éviter quoi? On va essayer de compétences aléatoires, mais bon. Je suis mitigé, on va voir. Hein. C'est quoi Colosse? Alors, quand ce joueur accomplit. Ah, c'est. C'est le nouveau nom de Jurgonaut. Si j'ai bien suivi. Et du coup, ça annule les compétences feintes et tout ça. D'accord. C'est un choix bizarre, hein, je sais, hein, mais je teste. J'ai gagné combien? J'ai gagné de l'argent ou pas au fait? Non?
Ah, ils ont pas débloqué l'apothicaire et tout, d'accord, attends, attends. Ok, donc franchement, bon, on va éviter le recrutement pour 3 points, c'est la compétence à 2 pour 3 points, c'est intéressant, mais c'est vraiment un double tranchant. Bah, après, sur un lutteur, ça me choquerait pas de mettre Jurgonaut perso. Enfin, Colosse. Tout simplement parce que si tu veux éviter de le faire tomber, ça peut être un truc pas mal, quoi. J'aurais une petite garde, une petite châtaigne à la limite. Bah vous savez quoi les gars, je suis un peu fatigué, bon. J'ai fait deux. Je vais couper le stream en deux parties, donc la partie avec les orques noirs, la partie avec les. Avec les. Ah merde, la noblesse impériale. J'essaierai de faire. Alors, c'est peut-être demain ou le week-end prochain, si j'ai le temps, je vous ferai là une partie avec les elfes. Bon, c'est con qu'on vous ait eu même pas demi-temps, c'est un peu dommage. Après, c'est pas de ma faute, mais bon, cette bêta a du potentiel, mais il y a des choses à revoir. Très, très franchement, il y a des choses à revoir qui me plaisent pas. J'essaierai de faire un fichier Excel ou quoi pour noter mes impressions. Voilà.